amis bonsoir bonsoir au nom de toute l'équipe d'expression livre je souhaite la bienvenue sur le plateau de notre émission alors je vous l'annonce immédiatement pendant le mois sacré du Ramadan, l'émission euh, euh, s'arrête, un temps de pause, je dirais. Euh, un Ramadan que je vous souhaite plein de bonheur, de, de fêtes familiales, mais surtout euh, de piété et, bien, je dirais presque de d'intériorisation, de savoir euh, un petit peu de faire une pause intérieure euh, en soi. Euh, pour la foi, la piété, la tolérance euh, envers euh, l'autre, comme on dit. Euh, eh bien, aujourd'hui, il y a une semaine euh, d'une date euh, qui est marquante dans l'histoire de notre pays. Cette date, c'est le 8 mai 1945, où euh, des événements d'une horreur indicible euh, se sont déroulés, euh, dans, comme on dit, dans trois villes guelma sétif et Rata, mais loin de là on verra avec notre invité que en, en réalité c'est toute la région qui s'est embrasée et qui a subi le martyre des troupes coloniales françaises et pour beaucoup des milices des ultras euh, des milices des colons ultras qui n'ont pas hésité à assassiner et à faire soi-disant, entre guillemets, justice euh, euh, soi-même euh, d'une façon euh, incroyable euh, dans l'histoire, je dirais presque universelle. Hein. Nous y reviendrons. Eh bien, pour en parler, euh, un excellent essai. Euh, signé par notre invité Kamel Benéaïs. Bonsoir. Bonsoir. Euh, très heureux d'être avec <coughs> vous sur ce plateau pour euh, euh, discuter, euh, déviser sur cette terrible journée du 8 mai 45. Et cela euh, à travers votre ouvrage Sétif, la fausse commune, euh, massacre du 8 mai 45, préfacé. – euh, Alors c'est un ami aussi, ouais. Gilles Manseron, très bon ami, euh, qui est d'ailleurs venu euh, l'année dernière euh, donner une conférence sur euh, euh, l'Algérie, sur, sur le, le, la lutte de libération nationale au Salon international du livre d'Alger. Votre essai est paru aux éditions El Iblis. Alors, votre ouvrage… Euh, je presque, si vous me permettez, euh, puisque la page de couverture, hein, c'est une carte de géographie avec euh, toutes les, les, les principales villes, mais aussi euh, les bourgs, les petits villages, euh, presque les hameaux euh, qui ont été touchés par euh, ces événements du 8 mai 1945. Euh, je, je, je mettais la géographie de l'horreur dix ans de travail Kamal ouais. euh, premièrement merci euh, euh, Monsieur Youssef pour l'invitation euh, je suis une nouvelle fois ravi d'être sur euh, le plateau euh, de Canal Algérie euh, et pour revenir à, à votre question euh, après plus de 12 années d'investigation, mmh. qui ne sont pas terminées, d'autant plus que je suis en train de préparer un deuxième tome. Ah, d'accord. Oui. Euh, 12 années d'investigation. Euh, en fin de compte, je, je me rends compte que euh, euh, ce massacre n'a pas touché uniquement cet Galma et Karata, mais a euh, bouleversé, et ébranlé euh, pratiquement. Tout le pays, hein, ouais. euh, en faisant des recherches, en, en allant épulcher les, les dossiers, les archives, on se rend compte que euh, nos concitoyens de Blida ont été euh, frappés. Ouais. En, on se rend aussi compte que <coughs> nos concitoyens à Constantine ont été touchés par ce cyclone que des, des, des Bonnois euh, ont été euh, touchés dans leur. Euh, dans leur chair. Donc, euh, moi, maintenant, euh, je n'aime je pas qu'on qu dise que euh, cette... ou plutôt qu'on euh, qu essaie de... Qu – rétrécir rétrécisse. De, – Voilà. Où, je m'excuse du terme de ghettoïser mm -hmm. euh, ce, ce massacre à grande, à grande échelle, uniquement euh, dans à, spécialement pour Sétif mm -hmm. Gelmei Harata. Parce que quand on, quand on fait des recherches, euh, nos amis de Hawakas ont, ont subi les, des, des atrocités extraordinaires. Euh, quand, on, quand, on, quand, on, quand, on, quand on visite, quand on euh, prospecte, quand on cherche euh, à l'intérieur du pays, notamment euh, au niveau des wilayas de Mila, de Djidl, et puis dans le pays profond, on, on découvre des horreurs. Donc euh, c'est pour ça que on a essayé, à travers cette euh, première... Euh, la couverture de, de la version française, on a mis une, une partie de la géographie, mais si on fait des recherches, si on, euh, disons, on s'implique un peu plus et davantage, on va, on va, voir et on trouvera que ces événements, je n'aime pas le mot événement, que ces massacres ont, ont en, eu des répercussions, ont, 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 ont eu des répercussions euh, à Al à et, ah, que, Aïda aussi. Alors, est-ce que est, ça fera l'objet justement, parce que là ce, ce n'est pas dans, dans votre ouvrage, ouais. hein, euh, ça fera l'objet euh, d'une étude euh, approfondie sur ce que vous venez de, 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 de nous en informer euh, dans votre tome 2 Oui. C'est cela Oui. Hein oui, pour dire, pour. Euh, parce que, euh, comme vous le savez, euh, ce crime, euh, bon, euh, des historiens sérieux, euh, le, considère que ce crime qui a été, le, le crime qui a été commis en mai 1945 est un crime d'État. Mmh. Ce crime-là, euh, qui a été perpétué à, à huis clos, mmh. d'autant plus que euh, la presse coloniale de l'époque euh, n'avait rien vu et rien entendu, donc euh, ce crime-là a touché effectivement euh, Sogaras, par exemple, mmh. euh, euh, des, 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 une, une mmh. région une bonne partie de la région de, 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 de Mila et d'autres régions... – Alors, on, on, ouais. on va laisser cela pour une prochaine émission, et j'aurai ouais. encore non, plus pour répondre, le plus de plaisir. – Oui, pour, mais vous avez tout à fait raison. – Pour répondre à votre question, on, 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 ça, euh, bon, les autres régions vont, euh, seront inscrites et consignées dans le dans le le prochain, Votre prochain ouvrage. Et j'aurai le plaisir justement de vous réinviter, ouais. l'équipe <coughs> d'expression des aura un grand plaisir, de vous réinviter justement Merci. pour aller plus loin dans voilà. votre travail d'investigation, je rappelle que vous êtes journaliste dans un grand quotidien euh, de notre pays. Alors, euh, plus de 12 ans de travail, euh, je vais prendre les choses un peu chronologiquement par rapport à la structure de, de votre essai. Euh, 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 D'abord, il, il y a un bref historique sur la région, hein, parce, que, il faut bien, parce que vous posez la question, pourquoi dans cette région, les choses, ça s'est passé plus dans cette région que dans une autre, à cette échelle-là d'horreur. Ensuite, effectivement, il y a un chapitre concernant ce que la presse, comment la presse coloniale, y compris en métropole, la presse métropolitaine, a rendu, entre guillemets, ces événements. Comment elle les a, je euh, dirais, euh, 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 on a informé, oh. soit euh, le, le, le peuple français en métropole, soit même euh, en, en Algérie. Euh, et puis surtout, l'essentiel de ce travail remarquable, remarquable, c'est que pour la première fois, euh, malheureusement, peu de survivants, hein. témoignages directs, ou semi-direct, puisque parfois c'est le fils d'un des survivants, ou malheureusement d'un martyr qui va parler, ou sa sœur, ou c'est que l'essentiel de votre ouvrage, de votre essai, ce sont les témoignages directs que, et qui vous a demandé un travail absolument monumental de collectage en disant voilà. Euh, là, je suis allé au cœur du sujet, euh, comment ça s'est passé, et il y a des choses qu'on va apprendre, euh, notamment qui euh, ont été peut-être, euh, je dirais, un peu trop vite rendues, hein, oh. ou <coughs> euh, l'information, euh, comme par exemple, euh, malheureusement, euh, le, le porte-drapeau. Euh, pendant la manifestation des scouts musulmans le, le 8 mai. Euh, non, ce n'était pas malheureusement le ce jeune scout Saad. Voilà, le jeune scout Saad qui a été assassiné froidement hein, par un policier. On ne sait même pas trop bien quel était exactement le, 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 le policier qui a tiré dessus. Bon, Mais maintenant on le sait dans ce Maintenant dans ce on travail. le sait, voilà. Ouais. Vous, vous, vous mettez les choses à plat. Ouais. Mais c'était un autre hein, qui était dans une bousculade. Ouais. Hein, et puis le jeune Sad a, a pris de drapeau au vol ouais. hein, et l'a payé de sa vie. Alors, euh, il y a également à la fin de, de, de votre ouvrage euh, la question que, évidemment, les historiens, les politiques français euh, 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 n'arrêtent pas de se poser avec mauvaise conscience, ouais. je dirais, quoi euh, Reconnaissance, repentance, excuses, nous y reviendrons. C'est très important. Hein. Euh, nous y reviendrons. Alors. Euh, vous, vous. Dès le départ, vous dites la, la vérité a été largement déformée. Oui. oui. En quoi Bon, premièrement, euh, euh, moi j'ai. Avant de... Dans la question, pourquoi ce livre mmh. Voilà. En 2015, en 2005, j'ai eu le, le privilège et l'honneur de participer à la, à la confection d'une un, édition spéciale euh, à l'occasion du 60e anniversaire euh, des massacres, pardon, des massacres oui. du 8 mai 45. Et puis, en allant vers les gens, je découvre l'horreur et je, décou je découvre l'histoire euh, occultée. La véritable, occulte, la, la véritable histoire occultée. Et puis, euh, j'entends euh, un autre son de cloche. Mm -hmm. Et puis, euh, en, en cherchant, je me dis, euh, il y a quelque chose, soit il y a un dysfonctionnement, mm -hmm. soit on nous a menti, mm -hmm. soit on nous a pas tout dit. Mm -hmm. Et puis, à partir de là, ça a été un déclic. À partir de là, je me suis dit… Euh, euh, on n'a pas le droit, on n'avait pas le droit et on n'a toujours pas le droit de laisser partir ces, moi je les appelle, les bibliothèques ambulantes, oui. ou plutôt les mémoires ambulantes. on n'avait pas le droit de laisser partir ces, euh, ces, ces, ces mémoires ambulantes sans retenir, euh, ou plutôt consigner une partie de ce pont de notre histoire. et c'est à partir de là que j'ai commencé à donner ou plutôt à ouvrir les guillemets mmh. à des personnes qui n'ont qui jamais parlé. Ouais. Et puis, en, en, en lisant le livre, vous vous êtes certainement rendu compte que toutes ces personnes là euh, qui ont parlé, euh, elles, ont, elles ont parlé avec son haine, ouais, non, pas sans rancune, tout. sans rancœur. Et puis, il, il vous raconte euh, avec une certaine déconcertation. Avec une certaine... On sent une certaine honnêteté. Mmh, mmh. Et puis je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée en allant à Bneziz. Bneziz, c'est un chef-lieu de Doira, de, de pardon, qui se trouve entre Sétif et Djidjil, à 70 km de Sétif. Et un monsieur, Sheikh Bourmet, il m'a posé la question suivante. Bon, j'accepte de vous parler, mais à condition de relater les faits euh, et puis de ne pas déformer ce bien. que nous avons fait et mmh. ce que nous avons subi. Donc, euh, en faisant, et puis en faisant aussi de, le, le filtrage, donc euh, quand on fait un, 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 un filtrage, on fait des recoupements et, et, on, sent, et on lit aussi le, 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 la, la, la version, euh, moi j'appelle ça la version des porteurs de la mémoire coloniale, mmh. parce que euh, je vous donne des exemples. Les porteurs de la mémoire coloniale disent que Sa'al Bouzid a été tiré au sort pour prendre le drapeau. Mmh. Ça, C'est faux. C'est une erreur. La deuxième des choses, ils disent que euh, le chef scout, le martyr, un homme de lettres extraordinaire, Hassan Belkhiret, avait euh, commandé plutôt, dirigé la, la, la marche du 8 mai 45. C'est aussi, c'est une autre erreur. Hassan Belgrid est parti sur, euh, sur euh, recommandation mm -hmm. de Fahad Abbas à Alger le 7 parce qu'il était ciblé. Ça. Il, il avait participé euh, à la manifestation du 1er mai. mai. Donc ça c'est un deuxième fait. Le troisième fait, euh, en parlant par exemple, en disant qu'on ne savait pas, euh, pardon, euh, je, je reviens sur un fait très important. Mm -hmm sur échange, les échanges de coups de feu ouais. il n'y a pas eu d'échanges de coups de feu ben non parce que la, la, les, les, les manifestants n'avaient pas d'armes n'avaient pas d ils n'avaient même pas ça voilà on, on, donc on, 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 on les a obligés on les a obligés de laisser leur canne, leur debousse, leur ça leur 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 leur, skin, leur, euh, leur manche etc au niveau de, de la mosquée donc euh, ça c'est un, c'est une partie la deuxième partie c'est que euh, on, a, on a accusé à tort Frère Abbas comme l'instigateur, l'agitateur de, euh, de, cette, de cette manifestation, ou plutôt de cette boucherie. Donc, ça, c'est un autre fait. Et puis, on le, on le démontre. Euh, un criminel ne sort pas au bout de 11 mois de détention avec un non-lieu. C'est un non-sens, quand même. Il y a aussi, bah, euh, vous avez. Euh, vous avez lu le chapitre des 17 proscrits. Oui. Bon, ils ne sont pas 17 proscrits, ils sont des centaines. Et dans le tome 2, je vais vous parler. Vous parler des lycéens. Oui, des lycéens. Du de, de collège Albertini. Oui. Mmh. Et puis, plus grave que ça, une histoire malheureuse qui est arrivée à, à, trois, à trois gamins de Borges. Ces trois gamins, leur unique tort, c'est d'avoir refusé de prendre part. Au, à la marche officielle qui a été organisée par les colons. Ces trois gamins ont été exclus de l'école. Donc, euh, on peut aussi parler aussi de les fameux les fameux rappeurs de, euh, du diplomate anglais Carvel et du consul suisse. Voilà. Donc euh, ça c'est si vous voulez c'est c'est la partie émergée de l'iceberg. Et puis euh, nous, moi, en toute modestie, dans mon bouquin, je donne des, je donne des preuves, je ramène des preuves, oui, oui. Euh, des preuves euh, tangibles. Et puis quand on, quand, on, quand on exclut, par exemple, 17 élèves, pour le seul, le seul fait d'avoir participé à la marche. Donc, euh, euh, tout ce qui a été dit euh, par euh, certains porteurs de la mémoire coloniale, euh, moi je la con, je considère que ces écrits comme comme de l'histoire idéologique. Bah ben oui bien sûr. Ce n'est pas de l'histoire vraie. Bien sûr, il y a une part de la de, 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 de certains, Heureusement pas tous, ça. Hein, certains historiens. Ou chercheurs, ou soi-disant spécialistes de, ouais. de, 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 de de la lutte de libération nationale qu'on appelle de l'autre côté la guerre d'Algérie. Ouais. Hein, on verra que le terme guerre d'Algérie n'a été accepté que très tardivement par l'Assemblée nationale française. En hein, euh, 99. C'est cela. Ouais. Euh, Octobre 99. Sinon, c'était toujours les les, les les événements. Les événements d'Algérie. Les événements. Bon, Alors. Euh, ce, ce, que, ce que vous avez cité plusieurs points. Alors tous ces points que vous venez de citer euh, se retrouvent chapitrés dans votre essai, oh. avec euh, où on voit bien que vous avez été. Euh, Mais encore une fois, le cœur de votre essai, c'est ça qui m'a vraiment touché, c'est que euh, on peut lire euh, ces, ces témoignages directs. Ou parfois j'ai pu constater que les témoins étaient quelque peu réticents, mais réticents dans le sens où c'était parce que c'était de la pudeur. Oui. Euh, parce que pudeur, parce que d'aucuns disaient oui j'ai participé mais j'aime pas trop en parler parce que dans le sens où bon après tout il y a eu 45 000 morts, il y a eu un million et demi de morts. Moi je ne suis qu'une goutte d'eau dans euh, notre lutte de libération nationale qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte hein des, des milliers et des milliers d'autres euh, peuvent vous raconter euh, etc malheureusement on le sait vous le savez je le sais beaucoup le savent ou tout d'un coup euh, nous avons ces témoins-là qui vous disent, euh, j'ai tué 15 euh, parachutistes léopards, j'ai pris euh, <laughs> une caserne à moi tout seul, <laughs> On connaît malheureusement ce genre de, de, de musique. Très grande pudeur, ça c'est magnifique. Et d'autres emploient des mots d'une telle simplicité, avec une distance, et ce n'est pas de l'oubli, c'est de dire, bon, euh, je n'ai… Je n'ai pas de haine contre le peuple français. Hein. Euh, C'était malheureusement euh, une situation. Et il y a un point qui est, qui, qui est dans la préface de Gilles Manson, qui vous rend hommage pour cela, euh, qui dit ce qui est extraordinaire dans l'essai de Kamal Veniach, c'est qu'il ne met pas de côté les dépassements qui ont pu être faits. <coughs> hein, avec, vous en expliquez pourquoi hein. ouais. les dépassements qui ont pu être faits par malheureusement euh, eh ben, des, des, des personnes, euh, les Algériens. Hein. Ouais ou des Algériens même, euh, qui à l'aveugle, parce que c'était une Européenne ou c'était un Européen qui était totalement innocent, qui ne faisait pas partie de, de ces ultra-pétinistes, on va y revenir, hein, euh, anciens vichistes, euh, qui étaient des assassins terribles, des, des mafieux, on hein, va dire le mot, euh, où euh, bah, heureusement, quelquefois, ils ont trouvé euh, à être sauvés euh, par euh, par nos, des, des frères et des sœurs à nous, en disant attention, maintenant, il n'a rien à voir avec, euh, avec ces, ces, ces horreurs de, 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 de colon, de milices de colons, etc. Et malheureusement, dans, dans ce genre de, 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 de chaudron, bah oui, il y a des dépassements. Hein. Il y a des dépassements, mais ils sont mineurs par rapport au dépassement. Hein. De l'armée coloniale française, légion étrangère, tirailleurs sénégalais, euh, troupes, hein, euh, parac qu'on qu a ramené hein, de France directement hein, sur retour de De Gaulle, euh, comme vous le signalez très bien, en utilisant des, des avions qui devaient faire quoi hein, Des d'anciens bombardiers qui devaient rapatrier. Les déporter ouais. des camps nazis, ouais. c'est des sortes d'avions de, 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 de la Croix-Rouge, je dirais. Eh hein. bien, euh, le gouvernement français et De Gaulle hein, les a réquisitionnés pour y mettre euh, des paras afin de les envoyer pour réprimer, euh, euh, les, les entre guillemets, encore une fois aussi, il faut faire attention au mot, au soulèvement insurrectionnel. Qui se passait dans cette région-là. Et ça, c'est important parce que vous détaillez euh, euh, avec. Euh, vous êtes très pointilleux et c'est ça qui est magnifique parce que c'est vraiment un travail de, de recherche extraordinaire. Euh, bon, pour, 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 pour vous répondre. Et puis, euh, vous me donnez l'occasion euh, euh, afin de. pour que je puisse rendre hommage à une école, à, à cette école de journalistes. Euh, de oui. Moi, mes maîtres, euh, bah, avec euh, lesquels je travaille jusqu'à maintenant, euh, ils sont issus de la, de, de la grande école de l'Imoujehed. Oui. Donc, et, 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 ces, et ces grands journalistes euh, m'ont appris, à l'instar d'autres, la rigueur. Donc, c'est euh, à travers cette rigueur là que j'ai pu, en toute modestie, réaliser un travail de cette facture là. Donc, j'ai été, disons. Euh, C'est cette rigueur-là qui m'a poussé à être non seulement honnête avec moi-même, mais aussi avec l'histoire et avec mes interlocu les, les interlocuteurs. Et en plus, euh, en lisant beaucoup de, de livres, notamment des livres de, des porteurs de la mémoire coloniale, mmh. certains pieds noirs, je ne vais pas les citer, je ne vais pas leur faire de la, de la publicité ici, à Canal, euh, à Canal Algérie, donc euh, m'ont obligé... De, de, de divulguer, si vous voulez, toute la vérité sur ce qui s'est passé euh, pendant ces, ces, ces journées de, de, de deuil, de malheur, de malheur pardon, et d'hécatombe. Et euh, ça, ça valorise un peu plus euh, le travail journalistique mmh. parce que euh, moi, j'ai abordé ce travail-là d'un angle journalistique, oui, beaucoup oui. plus. Donc, euh, en quelque sorte, j'ai voulu rendre hommage à mes aînés, qui ont fait aussi un travail extraordinaire, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'écrits qui ont été réalisés par des journalistes éminents donc, et qui, ont, qui, nous ont, euh, qui nous ont légué une très très belle matière. Donc j'ai puisé dans cette matière-là. Et puis euh, c'est aussi sur la demande de, de mes interlocuteurs, de ces vieux. Euh, c'est sur cette demande-là, il faut être honnête, parce qu'on euh, doit léguer à nos, à nos, à, à nos géné aux générations futures l'histoire vraie. Donc c'est ce, ce qui m'a motivé, en quelque sorte, à ne pas hiérarchiser les victimes. Alors, autre grand intérêt de votre essai, Kamal euh, c'est c'est... Euh, je dit euh, bon euh, est ce qu'on peut éviter je, je sais que peut-être que je vais me faire des ennemis en disant ça hein, euh, une sorte de euh, d'image légendaire euh, du 8 mai 45 que nos jeunes adolescentes et adolescents aujourd'hui disent bon c'est le 8 mai 1945, on sait qu'il y a eu à peu près 45 000 morts, euh, on sait qu'il y a eu des massacres de la part de, de, du, du, du colonialisme français, euh, tiens, mais ça reste qu'une image. Hein. C'est un peu bon. Mais euh, quand on lit, et c'est ça qui est très intéressant, plus de 50 témoignages hein, directs, euh, ou même, je dirais, semi-directs, euh, qui sont, sont pas, pas nombreux les semi-directs euh, oui ils sont pas nombreux c'est ouais. généralement du, du direct ouais. même quand ils ont 95 ans ouais. hein. c'est <laughs> fabuleux hein. ouais. ils ont bien toute leur tête ouais. et avec une mémoire absolument incroyable avec force détail hein. euh, c'est qu'il faut lire ça pour se rendre compte que c'est pas il faut pas mettre ça dans une sorte de, de légende hein. non. Et, il faut oh. bien euh, que nos, nos, nos générations euh, aujourd'hui jeunes et, et, et à venir comprennent bien dans le détail euh, l'horreur, parce que quand il y a eu d'autres horreurs dans d'autres pays et à d'autres moments, hein, eh bien, euh, on ne s'est pas gêné pour aller jusqu'au moindre détail. Hein. Mais avec raison, c'est logique. Quand on, est, quand on écrit une page aussi importante que le 8 mai 45 de notre lutte de libération de nationale parce que le 8 mai 45 fait partie de notre lutte de libération de nationale. Il a été le détonateur de, de, de novembre 54. Qu'on veuille ou pas, tout à fait. Alors, <coughs> donc il fait, il fait partie de notre histoire. Eh bien oui, il faut aller dans le détail. Il y a, il y a des choses qui peuvent choquer. Hein. On dit mais c'est pas possible. Ben si. Hein, euh, quand on jetait euh, euh, des, des, des femmes et des hommes enchaînés les uns aux autres euh, d'un pont, hein, euh, a... jusqu'à maintenant, on retrouve encore des charniers. Oui. Jusqu'à maintenant. Oui. On a trouvé le dernier charnier du côté de, de Liashir, en 2013. Et c'est un charnier euh, des, des morts, de, des massacrés du, du mai 1945. Ouais. Vous touchez à quelque chose de très important et qui, me, et qui me révolte un peu. Bon, je vais vous faire une confidence, monsieur. Ce livre-là, bon, je le dis en toute sincérité euh, le ministère de la Culture, chargé de la Culture, n'a pas dénié d'acheter un bouquin. Le ministère de l'Éducation nationale n'a pas acheté un bouquin. Donc, euh, pour que nos enfants puisse connaître la véritable histoire. Nous avons une histoire extraordinaire, que ce soit euh, l'histoire ancienne ou contemporaine, notamment notre histoire de 45 jusqu'à 62. Mmh. Nous avons, des... avons l'une des plus belles histoires au monde, mais malheureusement cette histoire-là, euh, elle n'est pas enseignée, qu'on le veuille ou pas. Et puis moi j'appelle, euh, je dirais, euh, on ne fait rien pour la transmission de la mémoire. Donc la transmission de la mémoire passe par l'école, passe par les lycées, passe par l'université. On ne fait rien du tout. Euh, moi, j'ai euh, été invité en France, où, où ce livre a été très très bien accueilli. J'ai été invité euh, dans des lycées, où j'ai donné des, des conférences. Et les gens là-bas euh, sont avides de connaître, sont avides de connaître euh, ce pont de l'histoire commune. Qui a été occulté. Bah parce que par... les... ça fait partie aussi de leur histoire. Tout à fait. Tout ah bah à fait. oui, c'est incontrôlable. Mais, mais ici, ici euh, j'ai le, le regret de, 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 de le dire, euh, je passe pour la troisième fois sur le plateau de, 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 de Canal Algérie, alors que les autres médias, euh, je suis désolé de le dire, euh, l'histoire, ce n'est pas leur tasse de thé. Moi, c'est ce dont j'ai le plus peur, oh. mais que heureusement, qu'à travers votre essai, Kamal Neage, euh, vous mettez en parfait exergue, et, et, puis, et puis surtout, euh, à un moment donné, dans, dans une de vos annexes, hein, c'est que euh, ça, ça m'effraie toujours, quand on parle histoire de, de donner comme ça des chiffres, 45 000 morts, ça ne veut rien dire. Mais ils ont des noms. Oui. Ils ont des familles, ils ouais. ont des prénoms, ils ont une ouais. vie. Ouais. Alors, 45 000, c'est <coughs> comme ça. Bon, ouais. car... bon, euh, mais qui sait Est-ce qu'on peut au moins. Euh, bon, on sait que les malheureusement, malheureusement euh, on ne pourra jamais avoir les noms de, 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 et avoir une stèle avec euh, les, les 45 000 ou 46 000, parce qu'on ne sait pas très bien le chiffre. On reviendra sur la question des chiffres. Hein, ouais. euh, comme quoi, les, 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 les nostalgiques de, de, de l'Algérie française hein, contestent. Qui euh, n'a jamais été Algérie française euh, Oui, enfin, que, bon, en plus. Mais ouais. ces nostalgiques-là même y compris les historiens, contestent ce chiffre. Euh, je, je, on, on y reviendra, on y reviendra. Mais euh, oui, c'est bien joli de mettre euh, comme ça une, une plaque en marbre, oh, en honneur euh, 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 à ces 45 000 barres. Mais ils ont des noms, des prénoms, Mais des vies. Alors vous, vous les refaites vivre. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que quand vous allez interviewer... Des, 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 des survivants qui ont encore la même main. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, ça pourrait paraître fastidieux, mais ça ne l'est absolument pas. pas. Hein vous citez, vous, il dit, oui, j'étais avec un tel, machine, etc. Et puis on est sortis du village, et puis à ce moment-là, moi j'ai eu la chance, euh, euh, on, 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 mon ami, il, il a été tiré à, comme un lapin à bout portant. Moi, on me disait, j'ai été le, le plus grand sprinter du monde, c'est ce qui m'a permis de me sauver. Mais c'est extraordinaire. C'est l'histoire d'El Mawen. Vous revenez Absolument. sur l'histoire d'El Mawan. Ah oui. <coughs> Allez. Ça, ça m'a bouleversé dans votre, ouvre, dans votre essai. <coughs> J'ai euh, lu, lu euh, un livre, le premier livre euh, écrit sur, ces, sur ce pan de notre histoire. Il a été écrit par un, un pied noir, Étienne Vallée. Hmm? Il a été écrit en 1948. Bah. Je, je, je connais cet ouvrage. Dans ce livre-là. On ne parle pas des malheurs des indigènes, on ne parle pas des, euh, des souffrances des indigènes. Et on ne cite aucune victime des indigènes. Il y a eu euh, dans les années 2000, dans, dans, les, euh, fin année, euh, dans les années 80, euh, un, un livre euh, écrit par un pied noir. Je ne citerai pas son nom. Il y a eu un deuxième livre qui a été écrit par aussi un, un pied noir. Que je ne citerai pas son nom aussi, mais dans ces, dans ces trois bouquins-là, on n'a cité aucun nom, on n'a donné aucun nom. Donc, pour eux, les victimes algériennes, c'était des fantômes. Oui. Donc, Vous l'utilisez -ce, ce terme. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait Donc, moi, j'ai fait de ces fantômes-là, j'ai donné à ces fantômes-là des noms. Ouais. Et donc, et, et ces, et ces fantômes-là n'ont pas eu droit à une sépulture. Ouais. Euh, euh, vous le connaissez mieux que, 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 que quiconque. Le 10 mai, euh, le gouverneur d'Algérie Yves Chétiennieu, le préfet de Constantine euh, lestrade Carbonel, le général Duval euh, se sont déplacés à Sétif pour présider les cérémonies d'enterrement de, des, 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 des Européens. – Des Européens. – C'est tout. – Et ils n'ont soufflé mot à propos des malheurs qui a… Euh, le, le malheur qui a touché les Algériens Argi... n'ont pas soufflé. mot. Donc, euh, c'est une manière de, de rendre hommage et de ressusciter le, les ma... le, le martyr de, de ces victimes-là, euh, des, des victimes innocentes. Et le plus important dans, de, 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 dans cette affaire-là, les, les porteurs de la mémoire coloniale, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que les, la répression, on va parler si vous voulez de la répression, mmh. n'a touché que les, 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 les endroits, les douars, les hameaux qui ont été ébranlés par des échauffourés. C'est ça. Bah, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oh. Euh, à Borge, où il y a eu une marche, euh, cette marche-là n'a connu aucune contestation, aucune, aucune bousculade. À Elma, la même chose. Oh. Euh, dans des douars éloignés, il euh, n'y a pas eu d'échauffourés. Euh, je dois aussi, j'y reviens... De, sur ce qui s'est passé à Blida, ouais. il, y a eu des, il y a eu de la manifestation, mais il y a des gens qui ont été emprisonnés, ouais. il y a des gens qui ont passé plus de 17 années Alors, ça, derrière c les barreaux. – Alors ça c'est un point important, Kamal, ouais. qu ouais. euh, c'est que vous dites, bon, euh, là où il y a eu, bon, ce qu'on appellerait, où il y a eu Chaudron… – C'est Yves gallemay Alors ça, il y a eu une répression féroce. Ouais. Elle, elle ne, de, de cette férocité-là, elle ne s'explique pas. Ouais. Mais du point de vue colonial, on ouais. se dit bon, soi-disant, on remet de l'ordre. Ouais. D'accord. Mais ce qui a été incroyable, ce que vous citez, ce que j'ai ignoré, hein, très franchement, c'est que euh, dans euh, des, des, des petits hameaux, des petites villes, etc., qui ont été bombardés. Bombardés carrément avec des B42 de, de, de l'armée américaine. Hein. Ils ont euh... utilisé, pardon, je vous coupe, pardon, ils ont utilisé des bombes de 50 et de 100 kilos. Ouais. Pour... Ils, ils voulaient même après des bombes antipersonnelles. Voilà. Euh, ils, qui ont été commandées et refusées par, par les, les États-Unis. et la Grande-Bretagne. Euh, monsieur Huss, vous utilisez une expression extraordinaire. On ne rétablit pas de l'ordre avec des bombes. Ben non. On ne rétablit pas de, de l'ordre avec des chars. On ne rétablit pas de l'ordre avec des, des avions. <laughs> non, mais des bombardements. Ouais. Alors, il y a eu des, des, des petits hameaux, ouais. des petites villes, des ouais. petits villages, je ouais. dirais, qui ont été bombardés, où, en plus, il n'y avait même pas eu de manifestation. Ouais. Rien. Ouais. Il n'y a pas eu un seul Européen ouais. qui a été égratigné, qui si je ouais. ainsi, ouais. ou molesté. Ouais. Rien du tout. Hein. Et puis d'un coup, on s'est dit oui, oui, non, mais. C est, c est, oh, oh, euh, vous savez l'expression, euh, tu les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Oui. C'était ça, hein C'était oui. c'était la fameuse phrase la, que vous citez, la fameuse phrase de De Gaulle en 1944, ouais. avant qu'il reparte. Quand ouais. il quitte Alger, ouais. qu'est-ce qu'il dit comme phrase Il dit ne laissez pas l'Afrique du Nord vous passer entre, entre, les les doigts. Les doigts. Oui. entre les doigts. Glisser ouais. entre les doigts. Et donc quand il parlait de, de l'Afrique du Nord C'est l'Algérie, bien voilà. sûr. Donc, euh, et quand on dit août 44. Ça veut dire quelques temps, juste quelques jours après la libération de Paris. Ah, voilà. Et puis, euh, vous me, euh, vous m'aidez vous à, à, à parler d'autre chose. Vous savez qu'ils ont utilisé, qu'ils ont ramené des avions de, de, du Maroc, de Marrakech. Ouais. Vous savez qu'ils ont, qu ont utilisé pas de bâtiments de guerre. Oui, il y a eu. Y a eu. Ils, ont, ils ont utilisé 11 bâtiments de guerre. Et ces bâtiments de guerre, ils ont sillonné la Méditerranée de, de Bjaïa jusqu'à jusqu Skikda. Donc, tout ça, on, on a occulté ces, ces, ces points importants pour, euh, pour l'histoire. Donc, et si vous voulez, on revient sur cette question euh, des fosses communes. Bah, vous pouvez me dire pourquoi vous avez titré votre ouvrage C'est la fosse commune. Bon, pour, deux, pour deux choses essentielles, moi j'appelle les, 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 les porteurs de la mémoire coloniale, je les appelle aussi les témoins oculaires. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont dit les témoins oculaires Ils ont nié l'existence de milices. Oui. À, Sétif. Oui. Bon. à Sétif, il y a eu des milices. Oui. Bon. Qui a tué Moi je pose la question. Qui a tué les frères Rebèches, c'est la, mmh. la, oui. la milice. Qui a tué Makhlouf Krach, c'est la milice. Qui a tué le jeune Zouaoui c'est la milice. Qui a tué le jeune Aribi, c'est la milice. Ça, c'est un, un fait très important. Et, et je dois aussi euh, ajouter un, fait, un autre fait important. Vous savez qu'entre euh, le 10 et le 12 mai, on a confié 150 armes mmh. à des gens, à des colons à Nabat. On a confié 150 armes à des, à des milices à Guelma qui ont perpétré un carnage. Et on a aussi donné 10 armes à des colons à Fadjumzala. Et le 10 mai, les, les coupures de journaux sont là pour attester mes propos. Le 10 mai, le préfet Lestrade Carbonel diffuse un, un appel pour la constitution de la milice. Oui. Ça, c'est un côté. De l'autre côté, à propos des fosses communes, les, les, les porteurs de la mémoire coloniale nient exi, leur existence à cet if. Euh, Tout le monde sait, et puis les preuves sont là. Euh, les faits sont têtus. Euh, à, au niveau de, du cimetière Sidi Saïd, euh, qui est actuellement fermé, on trouve deux fosses communes à cet if. Il y a des fosses communes. Du côté de, euh, de Bouhira, là à côté d'un pont qu'on appelle toujours le pont Fayar. Dans ce pont-là, à côté, dans cette fosse commune, on a enterré 14, 14 personnes. Du côté de Ain Abbassa, on a fait autant. Du côté de Ain Roua, on a enterré euh, 8 personnes, dont une ou deux femmes, avec un loup. Euh, je ne vous dis pas, je ne, vous, je, je ne fais pas la description de l'horreur euh, qui a été perpétrée du côté de Bneaziz. Et, et 74 années plus tard, les restes et les, les preuves de ces fausses communes sont, existent jusqu'à nos jours. Donc, euh, c'est une, si vous voulez, une réponse à ces porteurs de la mémoire coloniale qui ont nié l'existence des fosses communes, mmh. qui ont ni, nié l'existence des milices. Et je voudrais aussi vous dire une chose qui, qui me paraît très importante. Comment on a fait pour, pour faire diversion, pour effacer les, les traces Qu'est-ce qu'on a fait On a ramené des gens de Kharata mmh. et on les a tués à Sétif. Oui, c'est ça, oui. On a, on a ramené des gens de Bnezé, on les a tués à Sétif. Donc, c'est pour euh, rendre... Moi, je n'aime pas le mot la comptabilité, la comptabilisation des, des victimes de leur de leurs méfaits et de ce crime euh, le rendent difficile pour ne pas dire impossible. Non, mais, mais, mais c'est important ce, ce, euh, parce qu'il y a eu cette bataille jusqu'à maintenant. Voilà. Hein. Euh, mais, mais je voudrais vraiment taper le, le, le point sur la table concernant cela. Parce que même des, des, des historiens français contestent ce chiffre de 45 000 personnes massacrées, comme on dit, indigènes, entre guillemets, massacrées pendant ces journées noires, parce que ce n'est pas seulement le 8 mai, hein. après ça a continué. Hein. Jusqu'à. Jusqu bon, il y a des historiens qui disent jusqu'à octobre. Après, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. À peu près, oui. Oui. Jusqu'à octobre. Alors, c'est absolument incroyable oh. d'avoir ce culot de dire non, ce n'est pas 45 000, on pense que c'est peut-être entre 8 000 et 10 000. Bon. Ça ah, peut être euh, aussi 1 500. Hein oui, non, mais <laughs> je trouve ça absolument ouais. incroyable parce que, excusez-moi, je vais faire un rappel à ces historiens. ouais Hein euh, -ce que vous à partir de quel chiffre vous estimez que c'est un crime contre l'humanité que c'est un crime de guerre comme l'a si bien dit un jour ici à Alger, monsieur Macron voilà, à, à partir de Combien Bon, allez, on va dire que 45 000, c'est euh, euh, l'Algérie euh, indépendante une... qui, qui a trouvé ce chiffre, je ne sais d'où. C'est une, où. une ex exagération algérienne. Allez, on va... allez nous exagérons. Ouais. Hein. Allez, bismillah, nous exagérons. Oh. D'accord, ok. Alors, que, je vais citer trois ou quatre euh, massacres qui sont aujourd'hui en France, hein, euh, ou. On commémore ou on surcommémore avec les, le président et même d'ex-président de, de, de la France. On invite même des grandes personnalités étrangères bien dire, euh, c'est un lieu de massacre terrible, etc. Allez, je prends hein, Ouradour-sur-Glane. – le, le, le petit… – Exactement, le petit village. Hein, euh, combien ?– 642 ben – Même pas, 640, bon, 642 victimes officielles. – Oui, 640, oui. – On est loin du chiffre de 15 000 si oui. on veut. Hein. Et pourtant, sur Surglan reste, dans l'histoire universelle, un des plus grands massacres. Oui. Hein. On est bien d'accord. Euh, allez, on va prendre un, un autre pays. Guernica, oui. il y a un tableau célèbre, hein, où c'est la Légion Condor, on a un qui a bombardé ce, 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 ce village martyr. Oui. Hein. Euh, Guernica. Au plus, au plus 3000. Non. et Pourtant, mondialement, on reconnaît que c'est une horreur, est un crime contre l'humanité. Le maquis d'Aiguillière, dernièrement, juste dernièrement, ouais. hein, il y a eu une cérémonie absolument incroyable, hein, en France, etc. Je ne remets pas en cause hein, le fait qu'on euh, commémore. Hein. Attention, hein. c'est pas ça que je dis. Je, je dis... Fait, euh, je suis tout à fait d'accord avec euh, vous. Euh, une, arrêtons une... de chiffrer l'horreur. Ouais. 120 maquisards, Assassinés et fusillés. Vercors, pareillement, en France, c'est quelque chose qui est, on dit, c'est un massacre, c'est l'horreur, c'est un crime contre l'humanité, etc. À peine cette. Enfin, à peine, pardon, excusez-moi de ce terme. Ouais. Et la, la rafle de Maldives. Le. 6000 Ouais. Bon, donc on est. Arrêtons cette. Comptabilisation mortifère. À partir de quel moment reconnaît-on un crime contre l'humanité Moi, je, je, vais vous dire, je vais vous dire pourquoi ils font ça. Moi, je suis révolté de cela. Je vais vous dire pourquoi ils font, ils, ils, ils font ça. Pour la simple raison, c'est que ce crime-là a été, comme je l'ai toujours dit, a été perpétué à huis clos. Oui. Bon. Et puis, comme ils n'ont pas de, ils pas de, de justification, d'argument de, 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 à faire valoir. Et puis, euh, bah. Le, le plus fort a toujours raison. Et, et comme euh, il, il se reproche euh, certaines choses, et moi le, moi je responsabilise euh, la presse coloniale. Terrible. Pour la, pour la simple raison, c'est qu'elle a laissé faire et elle a, elle, a, elle, a, elle, a tourné, elle a tourné la face à un crime qui, euh, qui a été perpétué euh, devant, devant sa porte. Donc c'est pour cette raison-là, c'est pour cette raison-là qu'ils il, qu par de différents subterfuges, de polémiquer. Parce que là, on est en train de faire une polémique, à mon sens, stérile. Mais moi je le dis de toute façon, même en arabe, pour moi, 4, 45, 45 000, c'est kiff-kiff. Donc on n'a pas le droit de dire. Et puis laissez-moi vous dire, Monsieur Youssef, une chose. C'est que on a tué des gens. Sans, aucune, sans, aucun, sans, sans aucun jugement. Oui. On a tué des gens, on les a fait sortir de la caserne de Sétif et on les a tués. Donc, euh, c'est pour qu'ils ne soient pas jugés par le tribunal de l'histoire qu'ils essayent de, de polémiquer et de minimiser, voilà, minimiser les, dégâts, euh, les, 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 les dégâts commis par l'armée, l'administration coloniale et les colons. Au, au nom de la France. D'ailleurs, vous, vous me poussez à parler aussi de cette reconnaissance ben oui, à géométrie variable. C'est le titre de votre chapitre. Voilà. Donc, euh, et puis maintenant, euh, l'histoire le prouve, se répète. Euh, Laissez-moi vous dire aussi, ils l'ont fait aussi pour deux événements importants qui nous touchent. Vous connaissez mieux que quiconque la fameuse manifestation du 14 juillet 53 qui qu'on a essayé de cacher euh, aussi le massacre de, du, du 17 octobre 61. Il a fallu attendre... Euh, les, 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 le travail extraordinaire réalisé décembre par. Décembre 60. Oui. Décembre 60, 60 oui. aussi. Le Comme tra... s'il n'y avait pas eu ouais. de, 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 euh, un massacre en décembre 60 quand il y a eu des ouais. manifestations à travers tout le territoire national. Tout hein. à fait. Parce que ouais. généralement, malheureusement, notre jeune génération pense que ça s'est passé qu'à Alger. Non, pas euh... du tout. Ouais. Donc, pour revenir au, au 17 octobre 61, il, il a fallu attendre le travail extraordinaire réalisé par Jean-Luc Enodi. Pour que les gens disent, ouais. tiens, il y a eu plus de 200, 200 morts euh, algériens qui ont été jetés dans le, dans la dans le Seine. Donc, vous voyez, et puis la, la concordance entre mai 45 et, et le 17 octobre 61, ouais. le général de Gaulle. Le préfet papon. Voilà. <laughs> N'oublions pas. Voilà. Ancien, ancien collaborateur nazi. – Voilà. Bon. Il ne faut pas l'oublier, parce que, euh, bon là, malheureusement, on n'a on a pas le temps, mais il y a aussi une explication pourquoi euh, euh, il y a eu la constitution aussi rapidement de ce qu'on appelle ces milices, qui étaient tous des anciens collaborateurs, qui travaillaient pour Vichy, ouais. un pétiniste. Pro-nazis, euh, anti-juifs, juifs profonds. Bon, alors anti-arabe, alors là, c'est même pas la peine d'en parler. Oui. Hein, C'est-à-dire, on était en dessous, nous, encore. Euh, et puis, euh, parce que c'était les anciens miliciens oui, de Pétain. Oui. Il faut le savoir. Oui, il faut le dire aussi. Il faut le dire. Moi, je le dis de toute façon que euh, qui est euh, à l'origine des malheurs des Algériens en 45, c'est pratiquement tous les pétinistes ben oui, voilà. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez cet excellent ouvrage de Jacques Cantier, un historien, qui s'appelle L'Algérie sous le gouvernement de Vichy. Il non. Faut... Excellent, il faut le lire parce que ça donne oui. beaucoup d'explications. Oui. Il faut savoir qu'après l'opération Torche, c'est-à-dire la libération d'Alger par les troupes américaines, anglaises et euh, les, 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 les troupes de la France libre, hein, euh, c'est que De Gaulle euh, a laissé quasiment 90% d'administration euh, euh, coloniale euh, qui était d'obédience vichyste. Absolument. Et pro-nazi, oui. hein, et, et, et pro-collaborateur. Oui. Hein, il ne les a pas changés. Il ne les a pas changés. Pas ouais. du tout. Hein. Vegan et toute la bande, il, il les a gardés. Hein, parce qu'il s'est dit bon, euh, on ne sait jamais, gardons-les, parce que je n'ai rien d'autre sous la main. Oh. Et puis j'ai d'autres chats fouettés. Hein, et puis ça l'a rangé. Hein, parce que ce que vous citez très bien dans votre ouvrage, Kamal Beniech, c'est que. Euh, on pense que de Gaulle était innocent dans, dans, dans non, cette histoire. Non. Contraire. Le, le, son fameux, son fameux le télégramme du 12 mai, en, en présentant ses condoléances euh, aux victimes européennes, et en donnant carte blanche, si on lit entre les lignes, en donnant carte blanche euh, au, au général Henri Martin, oui. en lui disant il faut, il faut châtier toute tentative des agitateurs. Euh, qui voudraient euh, porter atteinte euh, à l'Algérie française. Donc, euh, euh, que disait à, à travers cette, euh, ce télégramme, que disait euh, le général de Gaulle Donc, euh, je vous couvre, vous avez carte blanche. Et donc, c'est à travers cette carte, carte blanche-là que le général de le, Henri, le général Martin, le général Duval, Duval. Le, le préfet de Constantine, qui, le, le sous-préfet de, de Gelma, Achary, c'est à travers cette, euh, cette autorisation entre guillemets mmh. qu'ils oui. ont commis le, le carnage. Le pire, ouais. Malheureusement, nous arrivons au, au terme de, de, de l'émission. Kamel, euh, <laughs> j'aurais voulu rester avec vous. Nous aurions voulu toute l'équipe d'Expression de Livre, j'en suis sûr, rester avec vous parce que il y a euh, Mille et autres sujets que vous abordez dans, dans votre essai, que je trouve vraiment, très franchement, remarquables. Merci, hein Merci pour ce travail euh, d'investigation euh, aussi pointu, euh, qui nous donne enfin euh, euh, des pistes, de nouvelles pistes de recherche pour euh, les futurs historiens, ou tout simplement les, les futurs curieux, je dirais, euh, ou ceux qui aiment euh, connaître l'histoire de notre pays et eh bien euh, vous donnez des, des, des nouvelles pistes de recherche euh, formidables euh, extraordinaires et euh, c'est j'invite vraiment nos téléspectatrices et téléspectateurs euh, à, à lire euh, cet ouvrage et on attend avec beaucoup d'impatience euh, votre demande je signale c'est très important que votre essai euh, existe. Il y a une traduction en langue arabe. En langue araboise. Hein hein. euh, c'est le même éditeur. Euh, non, c'est à compte d'auteur. À compte d'auteur Oui. Bon. Sans commentaire, comme on dit. Voilà. <laughs> Sans commentaire, comme on dit. Ouais. Euh, merci encore. C'est moi. Euh, voilà. Euh, donc, comme je l'annonçais euh, euh, à nos amis euh, qui, qui nous regardent. Euh, petite pause pendant le ramadan que je vous souhaite encore une fois pleine de, de joie et de piété euh, on prendra après l'Aïd euh, pour euh, continuer jusqu'à euh, eh le début de l'été l'émission Expression Livre émission que vous pouvez retrouver euh, eh bien, via euh, Facebook en tapant tout simplement Canal Algérie ou via Youtube vous pouvez euh, retrouver euh, ou sur le site de, de l'ENTV www.entv.dz, vous pouvez retrouver l'émission, la regarder euh, et puis la faire partager avec euh, vos amis parce que je crois que c'est une émission euh, importante grâce à vous, Kamal Naïch, oui. parce que c'est un pan euh, qu'il faut absolument que nos générations euh, connaissent car euh, c'est, euh, je dirais, euh, l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres le 1er novembre 1954. Tout à fait. Tout à fait. Extraordinairement bien documenté et quel travail d'investigation. Merci beaucoup, cher confrère. Euh, c'est moi. <laughs> Parce moi. que vous êtes, je le rappelle, journaliste. Cétif, La fosse commune, massacre du 8 mai 45, c'est paru euh, aux éditions al Brise, signé par Kamel Benial. Je vous souhaite une excellente soirée, encore une fois, euh, excellent début de ramadan, à la, ah ben pas à la semaine prochaine, non, euh, à dans un mois, euh, bonsoir à vous, bonsoir chez vous, et là je ne peux pas vous dire, euh, même jour, même heure, même punition, mais dans un mois, vous allez voir que la punition va être sévère. <laughs> Au revoir, amis lectrices et lecteurs, merci encore. Quand